On choisit d'abord un épicéa par rapport à son odeur. L'odeur de l'épicéa est caractéristique, c'est celle qui sent vraiment le sapin. Donc elle fait référence à l'histoire bien sûr des fêtes de Noël. Le Norman, lui, c'est différent parce qu'il a des aiguilles beaucoup plus bleutées, mais il n'a pas d'odeur. Par contre, il y a une autre différence entre les deux types de sapins, c'est qu'il y en a un, l'épicéa, qui perd ses aiguilles beaucoup plus vite, que le Norman perd ses aiguilles beaucoup moins vite. Alors celui-ci, c'est un sapin Norman de ce qu'on appelle de 175-200, de taille 175-200, c'est-à-dire 1,75 m à 200, à 2 mètres, donc à partir du pied jusqu'au dernier verticille qui se trouve ici, rabattu sur la flèche. Donc un sapin comme celui-là coûte 49,90 €. Celui-ci, c'est un épicéa, effectivement, qui fait 1 m, 1,50 m. Donc toujours pareil avec la même règle de calcul, coupé au dernier verticille. Et donc là, en l'occurrence, c'est un sapin qui vaut 10,90 €. Un sapin en motte, pour un épicéa, vous pouvez l'acheter début décembre. Ça pose aucun problème. Par contre, un épicéa coupé, essayez de l'acquérir une quinzaine de jours avant les fêtes. Pour le Norman, vous pouvez envisager l'acquisition du sapin avant le début du mois de décembre. Ça ne pose aucun problème. Pour le conserver le plus longtemps possible, on le vaporise avec de l'eau. Ou alors, on essaye d'acheter un épicéa en motte. De cette façon, la fraîcheur de la motte garantit que le sapin dure plus longtemps à l'intérieur. Vous avez un sapin en motte, vous essayez de le conserver à l'intérieur chez vous, et dès le printemps, dès la fin des fêtes, vous pouvez le remettre dans un pot plus grand pour qu'il vive. Les sapins qui sont vendus dans le commerce sont issus de forêts qui sont éco-gérées, qui sont des forêts d'horticulteurs. On prévisionne un nombre de sapins qu'on souhaite vendre au public, et de cette façon, on a une structure qui non seulement fait vivre des horticulteurs pendant l'hiver, et ça c'est très important, mais qui en plus assure une éco-gestion parfaite de la distribution du sapin.